Salut à tous Aujourd'hui on va faire une séance de circuit cardio training spécifique combo. C'est-à-dire qu'on va faire six exercices. Chaque exercice sera un combo, un mix de deux exercices. Alors là je vous présente un peu la séance en intérieur. On va faire la séance sur le balcon après, mais il y a du vent aujourd'hui, donc je ne vais pas mettre de son. Je vous rajouterai les commentaires en off. Et euh, pour cette séance, vous avez besoin que d'un tapis, de votre bouteille d'eau, d'un petit peu de place et de courage, puisque ça va être une séance qui va piquer un petit peu. Ça va durer un, un 18 minutes en fait. En tout et pour tout, en termes d'effort physique, juste 18 minutes. Ça va se décomposer comme ça. On va faire un premier tour, 20 secondes par exercice, 20 secondes de récupération sur les 6 exercices. On se prendra une minute, et ensuite on passera à 30 secondes d'exercice, 20 secondes de récupération. Ensuite, on fera deux séries de 40 secondes d'exercice, 20 secondes de récupération, et ensuite on redescendra à 30, 20 et 20, 20. Voilà, et à chaque fois, entre chaque série, on se prendra une... Une minute, une minute trente de récupération en fonction de ce que vous avez besoin. Faites attention au sur chaque exercice. Je vous montrerai euh, au début de la séance, je vous montrerai bien les adaptations pendant l'échauffement, puisqu'on va commencer par l'échauffement évidemment. Mais faites bien attention aux adaptations. Ok, euh, j'ai pas mal de retours de personnes qui me disent Waouh, ouais, c'était dur, tout ça. Mais n'oubliez pas l'objectif. Euh, C'est d'aller jusqu'au bout et surtout de ne pas se faire mal. Okay donc euh, au début vous pouvez même partir sur les adaptations et voir si progressivement vous pouvez euh, augmenter la difficulté ou faire l'inverse. C'est-à-dire partir sur des temps euh, limités, donc 20 secondes ou 30 secondes sur euh, les, les options les plus compliquées, les options, -là, et ensuite sur les options, euh, sur les temps plus, euh, plus longs, prendre les options euh, plus simples. D'accord Allez, on va commencer par l'échauffement. On est parti. Et on débute l'échauffement avec une rotation, les pieds bien ancrés dans le sol, le dos reste droit, les coudes écartés. Et on prend le temps d'effectuer le mouvement. Maintenant, on passe bien le bras au-dessus de la tête, flexion au niveau de la taille, le bassin, lui, reste fixe, les jambes très légèrement fléchies. Flexion, extension, on fait des squats sans aller chercher trop bas, on n'est encore qu'au début de notre échauffement. Bien, on rajoute un monté de genoux à chaque fois. Le dos reste bien droit, on pense à bien pousser les fesses vers l'arrière, à, à s'assurer que les genoux restent au-dessus des chevilles. On fait attention de ne pas arrondir le bas du dos. Et maintenant, on reste debout et les genoux qui monte vers la poitrine et on ramène le coude opposé au-dessus de son genou. Alors voilà, on va chercher un petit peu plus loin dans la rotation. Le dos lui reste toujours droit. Et maintenant on échauffe bien les mollets en restant en appui sur la pointe de pied et on rajoute le squat sauté. On fait quelques squats sautés en prenant le temps de bien fléchir. On atterrit en fléchissant bien sur les jambes. Bien, petit mouvement du patineur en s'équilibrant à chaque fois en appui sur un pied. On va chercher en latéral pour continuer l'échauffement. Position de planche les mains positionnées sous les épaules. On s'assure de former une bonne ligne droite depuis le sommet du crâne jusqu'au talon et on ramène alterné. Le genou droit sous le corps, j'allonge la jambe et je ramène le genou gauche. Je précise bien que le pied ne rentre, ne po se pose pas sur le sol. Bien, maintenant on marche sur les mains, on revient en planche et on revient vers l'arrière. Voilà, prenez le temps de bien enrouler la colonne vertébrale quand vous faites cet exercice. Alors refaites-le deux, trois fois. Hein. Là, j'ai, euh, j'ai fait exprès de d'aller un peu vite, mais prenez le temps évidemment sur l'échauffement. Alors là on est parti sur la démonstration des six exercices. Montée de genoux et le saut latéral. Voilà, ça c'est l'adaptation. Sans le saut, avec un saut latéral beaucoup moins euh, traumatisant si jamais vous avez des problèmes articulaires. D'accord Exercice 2. On est positionné sur les mains, on effectue une pompe, main, euh, donc euh, main large sur le sol, et on alterne avec une planche une planche, euh, en T à droite et une planche en T à gauche. Là voilà, ça c'est l'adaptation, c'est-à-dire qu'on est en appui sur les genoux, on s'assure d'être sur une ligne droite depuis le sommet du crâne jusqu'au genou, et on effectue une pompe en alterné avec la planche en T. Exercice 3. Fente, un saut et un kick. Fente sautée et kick avec l'autre jambe. Fente sautée, kick, voilà, hop. Et à chaque fois, la jambe qui est derrière, hop, j'effectue le coup de pied avant. L'adaptation, c'est juste une fente vers l'avant et un coup de pied. Fente, et je reviens dans ma première position. Fente, avant, voilà, toujours on alterne bien une jambe après l'autre. Faites bien attention à cette partie, hein, puisque euh, là je vous démontre euh, toutes les adaptations. Bien, nous revenons donc sur notre mouvement de l'alpiniste. Voilà, et mouvement de l'alpiniste, donc on va faire à peu près 10 montées de genoux, hein. c'est approximatif, hein. vous ne prenez pas trop la tête avec le nombre de répétitions, mais on alterne donc le mouvement de l'alpiniste et une pyramide, c'est-à-dire que je tire le sommet du, du, du coccyx. Vers le plafond, et je vais chercher avec la main droite la cheville gauche. Ok, jumping jack. Donc là, notre option 1. Donc ce sera 5 jumping jacks et squat sauté. 5 squats sauté avec les pieds larges. 1, 2, 3, 4 et 5. Et ensuite, hop, 1, 2 squats sauté. 3, 4. Et cinq, j'ai été finir sur ce coup-là. Donc ça, c'est l'adaptation. C'est une fente latérale. Une fois. Deux fois. Hop. Et revenu ici, les pieds larges sur le sol. On effectue un squat en décollant uniquement les talons sans décoller la pointe de pied. Voilà. Et on en effectuera cinq. Sixième exercice. Sixième exercice, marche sur les mains, je ramène les pieds, alors là je pourrais rajouter le, le saut évidemment, et hop, je reviens en arrière et le saut. Hop hop hop, je ramène les deux pieds un peu comme euh, sur un burpees, et je reviens vers l'arrière et je saute. J'avance, 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 je ramène les deux pieds, je saute, je recule les deux pieds en même temps, je recule les mains et je saute. L'adaptation. J'avance, j'avance, un pied et puis l'autre, je monte sans le saut, un pied après l'autre, je recule, je me redresse en serrant bien les abdos, et sans le saut, je me déplie. Bien, on va partir. D'abord, on boit un coup, on s'hydrate bien. Alors, vous pouvez remarquer en bas à gauche de votre écran qu'il y a un chronomètre. Et du coup, ce chronomètre, eh bien, euh, va vous servir à être sur le rythme de la vidéo. Donc je rappelle que le premier tour, on est sur 20 secondes d'exercice, 20 secondes de récupération. Allez, attention, c'est parti Allez, on monte les genoux, on garde le dos droit, on engage bien le mouvement des bras, le petit saut sur le côté. Voilà. Allez, compter jusqu'à 10 et hop, je saute. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hop, et même chose. Voilà. Gardez bien le mouvement des bras, 3, 2, 1, et on relâche. Ok, on respire. Allez, c'est le début. Respirez bien. On est reparti dans 10 secondes. On se met en planche, on est prêt pour que dès le gong, on soit reparti dans 3, 2, 1, et c'est parti. Une pompe et une planche hantée. On repose la main. Une pompe. Et la planche en T. Je rappelle que cet exercice, vous pouvez le faire sur les genoux. C'est le même mouvement. En étant en appui sur le genou, je décolle un genou du côté où j'ouvre. Faites attention à ne pas relâcher le bas du dos à garder les fessiers et les abdos contractés. Ok, là on est sur la récupération. On est reparti dans 15 secondes. On se positionne en fente. Donc les pieds. Bien écartés, l'un par rapport à l'autre, ne mettez pas les deux pieds sur la même ligne et c'est parti, go! Allez, un, une fente sautée et un kick. Fente sautée et kick. Je rappelle pour les adaptations que on part les deux pieds l'un de côté de l'autre, j'avance un pied, je fléchis pour être en fente et j'effectue mon kick. Je reviens en arrière, je reviens en arrière et j'alterne. D'accord? Donc n'hésitez pas à utiliser les stops, on relâche hein, évidemment. On va utiliser les adaptations, si c'est trop dur, si on évite, si on veut éviter les sauts. Là on se positionne tranquillement, donc les mains positionnées sous les épaules, le ventre serré, les fessiers serrés, les jambes tendues. Donc on est reparti dans 3, 2, 1, c'est parti. Allez, là c'est l'alpiniste, je ramène les genoux, je compte jusqu'à 10 et je vais chercher avec ma main droite, mon pied gauche. Je monte bien le coccyx vers le plafond quand j'arrive en Pyramide. Voilà, encore. L'alpiniste, on compte jusqu'à 10. Et ensuite, on va chercher avec la main le pied. Ok, on relâche. On récupère. Et on va enchaîner avec le jumping jack et les squats sautés pieds larges. On est reparti dans 4, 3, 2, 1. C'est parti. Allez, et 1, 2, soyez souple sur les jambes. Ok, et on sautez. 1, 2. Fléchissez bien sur les jambes. 3, 4, 5, et c'est reparti. 1, 2, 3. Allez, cours rapide. Et on saute. 1, 2, et on relâche. Ok. On récupère, on souffle hein, sur les 20 secondes. On fait en sorte de bien respirer, oxygéné. Et on a reparti dans 4, 3, 2, 1. Allez, on enroule la colonne vertébrale, on descend, une main l'une après l'autre, on ramène les deux pieds ou un pied après l'autre. On se redresse, on saute ou sans le saut. On emmène les deux pieds vers l'arrière ou un pied après l'autre. Voilà, donc c'est notre premier tour. Hein. Prenez le temps sur ce premier tour de bien vous caler sur chaque exercice. Ok, on relâche. On a fini notre premier tour notre Première séquence. Donc là vous pouvez mettre sur pause, euh, voilà vous mettez sur pause pendant une minute, une minute trente. Moi j'ai euh, raccourci un petit peu euh, ce temps de pause, on va repartir dans quelques secondes, le temps que je, je remette le chrono. Voilà ce chrono qui est toujours positionné. Alors là on voit pas très bien, je vous montre en fait là c'est on va partir sur 30 secondes d'exercice et 20 secondes de repos. Allez, et c'est parti, allez, on monte les genoux. Je rappelle que cet exercice, évidemment, vous pouvez l'effectuer sans le saut en remontant les genoux en y mettant un peu d'intensité mais sans sauter. De la même manière, le saut sur le côté, il peut être moins important. Imaginez qu'entre les deux positions que vous avez là, il y a une petite barrière. Et eh ben en gros, si vous êtes sur l'option 1, la barrière est à à peu près 30-40 cm au-dessus du sol et si vous êtes sur l'option 2, hop, on relâche et eh bien l'option 2, eh ben là, vous imaginez que c'est une barrière qui est que de 10 cm au-dessus du sol. Bien, on est reparti dans 10 secondes donc on se met progressivement tout en respirant en position de de pompe les mains larges. Voilà m'a positionné au sol. Allez, c'est parti. Plus large que les épaules et on prend le temps d'ouvrir sur le côté, d'allonger le bras vers le ciel, de suivre du regard le bras, de maintenir les abdos serrés. Ça ne doit pas relâcher en bas du dos. Si vous sentez que déjà ça commence à être un peu dur, n'hésitez pas à adapter à mettre les genoux au sol, toujours en maintenant une ligne droite depuis le point qui est au sol jusqu'au sommet du crâne. Allez, deux et on relâche. Allez, cherchez toujours à aller jusqu'au bout. Ne vous arrêtez pas quelques secondes avant. Bien souvent, quand ça devient dur, on a tendance à s'arrêter un peu avant. Ok, position de fente. Les pieds positionnés au sol de la largeur des hanches. Et c'est parti. Une fente sautée et le coup de pied vers l'avant de sauter et je ramène la jambe qui est derrière vers l'avant pour frapper dans l'air. Voilà, et je rappelle hein, l'adaptation de cet exercice, c'est mes deux pieds sont positionnés l'un à côté de l'autre, je fais une fente vers l'avant et la jambe qui est restée derrière, je vais frapper vers l'avant. Et j'alterne évidemment. Ok, 3, 2, 1, on relâche. L Exercice suivant, position de l'alpiniste, ou euh, comme diraient les Anglais, le mountain climber. Les mains positionnées sous les épaules, les bras fermes. On fait en sorte que les omoplates glissent vers l'extérieur. Et top, on est parti. On ramène les genoux sous la poitrine sans poser la pointe de pied au sol et on va chercher le pied opposé. Je rappelle qu'on compte à peu près jusqu'à 10. 10 hein, montées de genoux en alternant. Voilà. Et avec la main droite, on va chercher le pied gauche. Avec la main gauche, on va chercher le pied droit. On fait attention à bien serrer le ventre, de ne pas relâcher le bassin. On évite de limiter la courbure du dos, mais bien maintenir la longueur. Et c'est fini. Ok. On récupère. Il reste 15 secondes. Jumping jack. Je rappelle l'adaptation de cet exercice. Si on ne veut pas sauter, c'est une fente sur le côté. Donc je me décale en latéral. Allez, 3, 2, 1. Allez, hop. Donc je me décale. Si je prends l'option 2, je me décale sur le côté. La jambe que je décale, je la fléchis, alors que l'autre jambe reste tendue. Je pousse sur la jambe fléchie pour revenir au centre. Et je fais la même chose de l'autre côté. Quand j'en ai fait 5... Squat sauté, je pousse, ok Donc là, je me suis mis de profil pour que vous puissiez bien voir le fait que je tire le, le, le coccyx vers l'arrière. Je fléchis bien sur les jambes. Ok, on relâche. Bien, j'espère que ça va toujours. Alors évidemment, hein, je vous conseille de mettre un petit peu de musique, c'est toujours motivant quand on a un peu de musique. Moi, j'évite. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. On enroule la colonne vertébrale et on ramène les deux pieds, on repose les mains, voilà. Avec ou sans le saut, hein. évidemment. L'adaptation, c'est, hop, là, j'ai ramené les deux pieds, mais je peux ramener un pied l'un après l'autre. C'est-à-dire que je fais un peu moins de répétition, je me concentre un petit peu plus sur la réalisation de mon mouvement. Voilà, je rappelle que le plus important, c'est d'aller jusqu'au bout, sans se blesser, sans se faire mal, d'aller au bout de soi-même. Et on relâche. Ok, on a fini le deuxième tour. Super. Allez, là, on va passer sur le prochain tour, sur 40 secondes d'exercice, 20 secondes de répétition. Et on va le faire deux fois. Donc on arrive au sommet de notre pyramide, en gros. Hein. Mais sauf qu'il y a une double plateforme tout en haut pour que ça puisse nous faire 18 minutes euh, d'effort, de, sans compter évidemment le, le, les temps de, de repos. Bien, on est reparti dans 3, 2, 1. Allez, c'est parti. Et on monte les genoux, avec ou sans le saut, et on impulse sur le côté. Voilà, on imagine, hein, on passe au-dessus d'une barrière, et on pousse. Hop. Voilà, toujours le mouvement de bras, un peu comme si on courait sur place. Encore 20 secondes. Donc, je vous disais, oui, je, je ne mets plus de musique parce que, avec YouTube, c'est vraiment compliqué de, de gérer le, les droits d'auteur. Allez, 5 secondes, 4, 3, jusqu'au bout, on y va jusqu'au bout. Ne lâchez pas. Et on relâche cette fois-ci. Allez, 20 secondes, respirez bien. 40 secondes, c'est un petit peu plus asphyxiant sur la fin. Respirez bien. C'est important de le faire en extérieur. Hein. Si vous avez un jardin, si vous avez un balcon, faites-le vraiment, vous serez mieux. Bien, on est reparti dans 5 secondes. Et on est parti sur les pompes. On descend la poitrine entre les avant-bras. On pousse et on allonge le bras. Voilà. On descend la poitrine sans relâcher le bas du dos. Si vous sentez le bas du dos qui tire, mettez les genoux au sol. Ok. Voilà, je suis le malin. Mais ça, ça bosse. Hein. Allez, encore 15 secondes. Ouais, c'est ça, fais le malin. Allez, 8 secondes. C'est bien, continuez. 5. 3, 2, jusqu'au bout, jusqu'au bout, et on relâche. Respirez bien, buvez un coup. N'hésitez pas à prendre de toutes petites gorgées entre les séries, entre les exercices. Et on est reparti dans 3, 2, 1, fente sautée et coup de pied. Fente sautée ou fente vers l'avant et le coup de pied vers l'avant, voilà, tac, et on pousse, tac, et on pousse, n'oubliez pas, il hein, y a possibilité d'adapter si ça devient trop dur, évidemment, on ne tire pas sur la machine, l'objectif c'est de sentir l'engagement musculaire, l'engagement cardiovasculaire, mais sans se mettre en danger, il reste encore 10 secondes, donc si on sent que... Il reste encore 15 secondes et que vous êtes oxy, on utilise l'adaptation. Allez, jusqu'au bout jusqu'au bout et on relâche. Essayez de bien vous mettre face à l'écran en même temps pour, pour me voir, voir en même temps le petit chrono qui est en bas à gauche. Donc, vous voyez, il y a du vent aujourd'hui, enfin quand je l'ai euh, quand j'ai enregistré, c'est pour ça que je n'ai pas enregistré le son. Allez, stop, c'est parti 40 secondes, montée de genoux, le dos reste droit. On stabilise bien son dos, hop, et on va chercher le pied opposé avec la main. Tac, on stabilise et on va chercher le pied. Si on n'arrive pas à toucher le pied, évidemment, on va chercher le genou, on va chercher le tibia, mais on essaye de prendre le temps d'aller chercher au plus loin vers l'arrière, en serrant le ventre. 15 secondes encore. Allez, ah, c'est bien. On lâche pas, on adapte le rythme s'il faut, on va un peu moins vite, mais on ne s'arrête pas, on ne pose pas les genoux, ça devient un petit peu dur. Allez, 3, 2, 1, bravo, allez, on relâche. Pensez à bien respirer, hein ouvrez la bouche, inspirez profondément, on est reparti dans 5 secondes, jumping jack. OK. Jumping jack, mouvement de bras. Si ça tire au niveau des épaules, limiter le mouvement au niveau des épaules. Et le squat, sauter, pieds larges. Hein, le, les pointes de pied se reposent. On repose les talons. Et c'est reparti. Allez. Là, par contre, pour plus de dynamisme, plus d'engagement de, euh, sur le jumping jack, restez sur la pointe de pied pour avoir de la vitesse, pour maintenir de la vitesse. Allez. Encore 15 secondes. Courage. On reste dynamique, hein. il faut que ça reste dans l'élan, dans le mouvement, on ne s'arrête pas. Courage, 5 secondes. N'oubliez pas l'adaptation, hein. fente latérale. Ok, on relâche. On respire bien. Et on est reparti dans 3, 2, 1, et on enroule la colonne vertébrale, on pose les mains au sol, on avance, on avance, on ramène les pieds et on saute, on pose les mains, on allonge les jambes vers l'arrière, un pied après l'autre, tous les deux en même temps, en fonction de la tonicité de votre sangle abdominale. Le plus important, c'est que quand vous effectuez ce mouvement, vous n'ayez pas le bassin qui fasse le yo-yo, okay c'est-à-dire que là, si j'allonge les deux jambes en même temps, je serre bien les abdos pour que mon bassin tac il s'arrête à hauteur des épaules et pas plus bas allez 10 secondes encore on tient le coup ok on a presque fini cette première partie de 40 secondes il reste 3 2 1 top super bien là vous vous prenez une minute, une minute trente de récup. Vous voyez, bon, moi j'en ai mis un peu moins, je vais repartir un peu avant, mais n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause, à prendre le temps de boire un coup, si vous êtes à plusieurs d'échanger sur le, vos ressentis. Bien, moi je suis reparti dans 5 secondes, mais comme je vous dis, n'hésitez pas à prendre un peu plus. Allez, top, c'est parti! Allez, ah on compte jusqu'à 10 dans sa tête, et tac, on part de l'autre côté. On monte bien les genoux, on reste dynamique sur le mouvement, et hop, on saute. Toujours avec cette idée d'une barrière imaginaire, hein, un peu comme si j'avais euh, mis euh, euh, deux plots avec euh, un bâton par-dessus, et à chaque fois, il fallait que je passe par au-dessus. Il reste 17 secondes. Allez, encore, mouvement de bras. Voilà, hein. là, je sens, en voyant sur la vidéo, je sens que ça commence à être un petit peu dur. Hop, mais j'expulse bien sur le côté. On arrive à un moment où ça se passe dans la tête, il faut aller chercher jusqu'au bout. Et 3, 2, 1, et top, on relâche. On respire bien. Voilà, on se prend, à chaque fois on se prend une dizaine de secondes pour bien respirer, 10 secondes aussi pour se mettre en place. Progressivement, on prend le temps, les mains positionnées larges sur le sol, on décolle un genou et puis l'autre. Top, c'est reparti. On descend la poitrine, pompe et planche hantée. J'allonge le bras vers le plafond. Attention de ne pas emmener le bras trop loin vers l'arrière, ok Que vous soyez en appui sur les pieds ou sur les genoux. Voilà. Alors, cette petite planche hantée, elle n'a pas l'air de, de grand chose, mais elle vous permet de récupérer au niveau des bras. Hein, au lieu d'enchaîner des pompes, voilà. Petit, petit instant de pause. Mais malgré tout, on reste dynamique sur les bras. Si ça devient trop dur quand on est en appui sur les pieds, on se met sur les genoux. Et 3, 2, 1, et on relâche. Voilà, et comme tout à l'heure, comme d'habitude, sur les 20 secondes, on se prend 10 secondes pour bien récupérer, s'essuyer, boire une gorgée. Et ensuite, eh ben, on se met en position position de fente bonne position au niveau des pieds c'est parti allez courage tac fente sauter et je ramène le pied vers l'avant pour aller frapper repousser avec le talon je rappelle hein, l'adaptation c'est je pars la position d'origine les deux pieds l'un à côté de l'autre je fais un grand pas vers l'avant je fléchis au niveau des jambes et je ramène la jambe qui est restée derrière pour aller frapper vers l'avant et j'alterne évidemment une fois la jambe droite, une fois la jambe gauche. Allez, jusqu'au bout. 5, 4, 3, 2, 1. Top Ouais, Alors on peut lire sur mon visage que ça devient un peu compliqué. <laughs> on est reparti dans 5. 4, allez, on se met en appui sur les mains, l'alpiniste, c'est parti, je tire les genoux sous la poitrine, j'allonge bien la jambe vers l'arrière, hop, je stabilise, je tire le coccyx vers le plafond, je vais chercher avec ma main le pied opposé, et je suis reparti, voilà, et on pense à alterner, une fois avec la main droite, une autre fois avec la main gauche, la petite torsion au niveau de la taille, pour aller chercher le pied, on garde du rythme niveau de euh, notre montée de genou et quand on va aller chercher euh, avec la main le pied opposé là on prend un petit peu plus le temps pour partir en torsion pour maintenir le dos droit top et c'est terminé ok Il nous reste deux exercices sur ce dernier tour de 40 secondes le suivant le jumping jack, associé au squat sauté. Allez, dynamique, c'est parti. Allez, tac, je resserre les pieds, toujours en appui sur la pointe de pied. Et maintenant, squat sauté. Donc on se rappelle, hein, évidemment, des consignes pour l'adaptation. L'option 2, c'est-à-dire la fente latérale à droite et puis à gauche. On le fait deux fois de chaque côté. Et ensuite, le squat ouvert, où je monte sur la pointe de pied en enlevant le saut. Voilà. Et on enchaîne, on enchaîne. Encore 10 secondes. Courage. Allez. Je sais que ça commence à être dur. Hein. Je l'ai vécu, je l'ai fait. Donc, je sais que c'est dur. Mais on va chercher jusqu'au bout. Et top, on relâche. 10 secondes. On est reparti dans 10 secondes. Donc là. On se met en position. Allez, on allonge les bras vers le plafond et on enroule la colonne vertébrale. On prend le temps de poser les mains au sol, d'avancer, de ramener les pieds et de sauter. Et même chose dans l'autre sens. Voilà. Hop. Et tac. Allez, on essaye de maintenir un rythme. Hein. Hop. Encore, encore, encore. Allez, courage. Il reste 17 secondes. Allez, je suis avec vous. On ne relâche pas. 10 secondes. Allez, encore 5, 4, 3, 2, 1, top. Voilà, c'est bien. Vous avez été jusqu'au bout. Ouais, il est dur ce tour-là. Bien, maintenant on redescend. Il nous reste le tour de 30-20 et de 20-20. Mais on a fait le plus dur. C'est ça que vous devez vous dire dans votre tête, c'est que le plus dur, il est fait. Donc, musculairement, même au niveau du cardio, c'est sûrement un petit peu dur. Mais malgré tout, n'oubliez pas, vous avez fait le plus dur et que c'est votre mental qui va prendre le dessus maintenant. Bien, là, je vous montrais que je suis redescendu, j'ai mis 30 secondes d'exercice, 20 secondes de récup. Et on est reparti dans 3-2 1. Ah, allez, on monte les genoux. Rapide, dynamique et on pousse sur le côté. 20 secondes. Évidemment, ça va vous paraître beaucoup plus rapide. Hein. On vient de faire deux tours en 40, maintenant c'est un tour en 30. 10 secondes. Allez, maintenez le dos droit, les abdos serrés. Les genoux qui montent, dynamique. On évite de trop reposer le talon et on relâche. Allez, c'est bien. Courage. Dites-vous que vous êtes plus proche de la fin que du début. On se met en position. Position pour effectuer les pompes. Jambes tendues. On garde bien les jambes tendues, sauf évidemment si on met les genoux au sol. Et c'est parti. Hop. Et on allonge le bras vers le ciel. On descend et on pousse. 100 mètres de coudrin. Attention, pas de coudrin, pas d'épaule qui monte avant de euh, venir tirer sur les lombaires. Hein. Évidemment, on garde homogène notre mouvement depuis nos appuis au sol, au niveau des pieds ou au niveau des genoux. On prend le temps d'ouvrir sur le côté, de tirer la hanche vers le plafond et on relâche. On est reparti dans 10 secondes. Voilà, petite gorgée, si vous voulez, on se met en position de fente. On est prêt. Allez, dès le début, on part, c'est parti. Go, allez, bam On y met du rythme, tout en prenant le temps d'effectuer correctement les mouvements, l'exercice. Pam Allez, je pousse bien, j'engage aussi le mouvement au niveau des bras voilà, pour me stabiliser. Important. Si mon pied droit est devant, c'est mon bras gauche qui contrebalance. On coordonne le la partie haute et la partie basse du corps et on relâche. Ah, c'est bien. Encore trois exercices sur cette série. On se met en position alpiniste, en position de planche. On est parti dans quatre, trois, deux. Un, top, c'est parti. Allez, on tire les genoux, on compte dans sa tête jusqu'à 10. Tac, on stabilise et on va chercher la pointe de pied, la cheville, le genou, le tibia, ce que vous pouvez aller toucher en essayant d'aller chercher le plus impossible. Vous comptez 10 dans votre tête et hop. S'il en manque un, s'il en manque deux, c'est pas grave. On reste dans le rythme, on reste dans le mouvement. On pense à bien respirer. Trouvez votre rythme de respiration et hop, on relâche. Dans votre tête, direct, vous êtes dit là, je respire, je récupère. Il n'en reste plus que deux et on est reparti dans 8 secondes. On se positionne, pieds larges pour le jumping jack. Donc, mouvement court, rapide, intensif et c'est parti. Allez, tac, tac, 4, 5, et on pousse et 1. Allez, squat sauté. Hop, on fléchit bien sur les jambes, on pousse les fesses vers l'arrière, on garde le dos droit, les abdos serrés, et c'est reparti. Jumping jack. Allez, je resserre et j'écarte, je resserre et j'écarte. Pensez à bien écarter la pointe de pied vers l'extérieur sur le jumping jack quand vous écartez les pieds. Attention à vos articulations, hein. restez souple sur vos membres. Et on pousse, allez, top, et on relâche. Bien, vous avez été juste chercher jusqu'au bout, c'est très bien. Il en manque encore un. Voilà, hein. vous dites dans votre tête encore un exercice sur cette série et après on passe sur la dernière série. Voilà, dans sa tête, il faut trouver des petites astuces pour rester motivé jusqu'au bout. Allez, et là on enroule la colonne vertébrale, on avance une main l'une après l'autre, on ramène les pieds et on pousse. Même chose vers l'arrière, on recule les mains et on pousse, avec, évidemment, hein, avec ou sans le saut, en fonction de l'option qu'on a choisie. 15 secondes encore. Allez, courage, encore, encore, encore. Maintenez le mouvement. Essayez de ne pas vous effondrer au niveau de la dynamique. 4, 3, 2, 1. Ok, on relâche. Bien. Il nous manque plus qu'une seule série de 20-20. Donc là, évidemment, ça va être le, le plus simple, hein, puisque... Le temps est divisé par deux par rapport à ce que vous avez fait tout à l'heure sur le 40-20. Il y a la fatigue. Voilà, prenez le temps de boire un coup, de vous essuyer. Et nous, on est reparti dans 3, 2, 1, allez, go Et on pousse sur le côté. Voilà, toujours dynamique. Hein Option 1, on monte les genoux, petit saut. Option 2, sans le saut, je ramène un genou et puis l'autre. Et je pousse sur le côté avec. Une impulsion plus ou moins importante et on relâche 20 secondes de récup. Allez, on lâche pas hein. là. On est vraiment tout proche de la fin. On va chercher jusqu'au bout. On y va au mental. On adapte s'il faut hein, évidemment. Allez, pompe 2-1. C'est parti. Hop, et on décolle à une main. On allonge le bras. On pense à maintenir la ligne droite. De son corps, depuis le sommet du crâne jusqu'à la pointe de pied. On ne relâche pas les abdos, on ne relâche pas la tonicité globale de notre corps. Voilà, dépliez bien les bras, fléchissez, descendez la poitrine. Au... Et on relâche. Voilà, C'est la fin, c'était le dernier. 15 secondes de récup encore. On se positionne en fente, on est reparti dans 6 secondes. On est prêt. Dès le début, allez, on est dans les starting blocks et c'est parti. Allez, je pousse. Et le kick. Fente, kick, fente sauter. Kick, avec le saut ou sans le saut. Hop, voilà. Tac, hop. Restez concentré hein, jusqu'au bout. Et 5, 4, 3, jusqu'au bout, jusqu'au bout. 2, 1, et on relâche. Super. Allez, là, je suis là pour vous pousser, pour vous motiver jusqu'au bout. On ne lâche pas, on se positionne. On est pratiquement déjà prêt, on repart dans 7 secondes, on se met en position de planche et on ramène les genoux sous la poitrine. C'est parti, allez, tac, on compte jusqu'à 10, maintenant on connaît les exercices. Hein. Hop, et la petite pyramide sur 3 pattes. Allez, encore. On reste dynamique. 5. 4 3 2 1 et on relâche super Il nous reste deux exercices donc en gros deux fois 20 secondes et on aura terminé et on est prêt jump hein. jumping jack les pieds sont écartés jambes fléchies on est parti dans 3 2 1 ah, allez c'est dans la tête hop on pousse voilà Souple sur les jambes sans descendre trop bas le bassin pour rester dynamique et le saut. Hop! Ah oui, alors là, moi j'ai adapté, j'ai décidé de faire 10 et 10. C'est vrai. Allez, encore 5, 4, 3, 2, 1. Ok! Allez, on est prêt dans 10 secondes. On va entamer notre dernier exercice. On allonge les bras vers le plafond. On est prêt, on est décidé. Et c'est parti. Allez, top. On avance une main l'une après l'autre. On pousse, on impulse bien. Pousse les jambes vers l'arrière. Et même chose. Avec ou sans le saut. Okay N'oubliez pas les adaptations. N'oubliez pas de respirer. N'oubliez pas de serrer le ventre. On n'oublie pas plein de choses. Et 3, 2. 1 et on relâche et bravo! Maintenant, vous pouvez mourir sur le parquet. Infini, bravo! Bravo à vous! Vous allez pouvoir prendre le temps de vous hydrater, de vous étirer. Voilà, alors là, je vous démontre les étirements que vous pouvez faire. Je vous le fais un peu euh, mode rapide. On n'oublie pas d'étirer l'ensemble du corps. Vous pouvez retrouver donc tous ces étirements sur la vidéo euh, du 9 e jour la vidéo de stretching pour étirer l'ensemble des muscles bas du corps et haut du corps que ce soit depuis les épaules jusqu'au mollets voilà et bien bravo à tout le monde n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce à liker si ça vous a plu.